Eh bien, bonjour à tous, ici Zetchiva, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Prin. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans l'atelier du docteur Calvinos. Donc, c'est parti, nous allons commencer. Ouais, ça tremble de partout, ça commence déjà bien. Donc, nous allons avancer. C'est quoi ça? C'est ennemi, allié. À mon avis, c'est allié. Non, non, c'est pas allié. Ok, c'est ennemi. Ah, il me brûle. Voilà. Objet détruit. Fouillé. Alors, désassemblage requis. Donc, avant de s'aventurer plus dedans, on va distribuer nos points. J'en ai 4. J'aimerais bien le désassemblage qui se situe. Préparation, désassemblage, qui coûte 3 points. Permet de démonter l'équipement de l'inventaire pour obtenir des pièces détachées. Pour récupérer des pièces détachées, ce sont des opérateurs détruits. Très bien. C'est quoi ça? Arme utilisée pour modifier les armes. Ok. Et donc scientifique. Je sais pas si on a piratage en scientifique. Donc médecin, connaissance en médecin augmente l'efficacité des kits de secours jusqu'à 150%. Ça c'est intéressant. Ça je vais prendre. Ça je m'en fous un peu. Le cycleur. Donc ça, force physique, je vais le prendre. C'est quoi ça? Doubler la durée du statut pleine forme et la quantité de santé restaurée. Ok, ça c'est utile. Voilà, donc nous avons distribué, impeccable, donc nous allons pouvoir fouiller. Donc des trucs avec. J'en ai déjà une, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre. Alors j'envoie une salle de... Ouais, ok. Alors, voilà. Bon. Pour ceux qui veulent lire, ben ils mettront tout simplement sur pause. Je sais pas pourquoi je prends des pures, mais bon, enfin bref. On va les prendre. Ça, on va prendre aussi. On va récupérer les plantes. Je ne peux pas y accéder. J'ai pas les connaissances pour. Là, il y a encore des trucs en surbrillance. On va prendre. Waouh. Il se passe quoi? Ok. Donc la tasse, on s'en fout. Putain, il est stylé le télescope. Alors. Ok, pour ceux qui veulent lire, ben, ils mettront tout simplement sur pause. Voilà, ça c'est une spirale. Ok, ça en fait c'est des magazines. Je sais pas si ça apporte beaucoup. À examiner. Ok. Il y a un corps. Je l'ai pas vu. Il y a un corps dans l'espace. Et normalement il doit dériver. Il doit pas être statique comme ça. Physique 3 un peu. Alors. Bon, ça va. Je vois le bouton. Ok, on va s'accroupir. On va voir s'il y a des trucs à ramasser. Non. Ça, je vais peut-être le prendre.
Améliorateur d'armes. Ok. Je vais détecter. Et pourquoi je peux pas utiliser mon arme? Me crame le con en plus. Aïe, aïe. Bon bah, deuxième mort, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve après le chargement. A tout de suite. Donc nous revoilà. Et donc, j'ai pas compris. Bah voilà, là je peux l'utiliser. Je sais pas si ça a quelconque intérêt de le coller, mais bon. Ce sera plus simple. Oh, bon. Attends, laisse-moi manger un bout. Manger. Voilà. C'est ça la cause. Voilà, impeccable. Donc il est mort. Ça y est. Je crois qu'il est. Par contre, j'ai plus de balles de 9 mm et ça, ça m'emmerde. Je vais faire le tour. Ah. Encore un fantôme. En plus, c'est là qu'on doit aller, quoi. On va devoir le tuer. J'ai fait le tour ici. Ah, ici, j'ai pas pris les plantes. Donc, je sais pas à quoi ça va servir les plantes, mais bon. Je les prends, on sait jamais. Ah, ça. Ouais, ouais, je l'ai vu. Mais où qu'il est? Pas derrière moi. Non. J'entends des bruits dans le casque là. Ok, toi t'es bien mort. On va choper tout ça. Ah non, je m'en fous. On va choper les plantes. Ok, là je l'ai vu le. Un petit paquet de chips. Ok, il est en train de se battre. Il y a tout ce que t'as. Là, il n'y a rien. Ah, ok, j'ai l'inventaire plein. Cigare usé. Ah, j'ai une carte d'accès employée. Impeccable. Ça. Oh, bon. Ok, je devrais passer par là. Donc, allons-y. Alors, ça, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas l'utiliser. Je m'en doutais qu'il fallait faire quelque chose dans ce style-là. Désolé, le chien me casse les couilles, il aboie pour rien. Bon, tout simplement, je vais jeter cette clé-là. Donc, comment on fait pour l'acheter? Transférer, voilà. Et on va prendre... Charge IM. Casse les couilles, ce chien. Donc, bah, ellipse, le temps que le chien se calme. Eh bien, re tout le monde. Donc, ça y est, c'est reparti. Le chien s'est enfin calmé. Il était peut-être temps. Voilà, il me semble bien que ça valait le coup de détruire. Pièce détachée. Très bien. Donc maintenant, il faut que je trouve un moyen d'aller de l'autre côté.
peux grimper là-dessus. Ouais. Non. Bon, apparemment, il n'y a pas de... J'ai fouillé le corps. Ouais, j'ai fouillé le corps. Apparemment, on ne doit pas passer par là. Donc, on va refaire le tour. Il doit bien y avoir un moyen de passer. Ah bah oui, j'ai la carte d'accès en fait, je peux passer de l'autre côté du coup. Logiquement. Je peux passer ici. Et oui. Ok. Ah mais ils sont encore plus rapides que les autres. Équipement scientifique, pièce sur mesure, prototype. Nous devrions pouvoir réparer votre terminal miroir à l'atelier du docteur Calvino. Il m'a, comment dire, il m'a éclaté tout simplement. Donc on y retourne. Allez, c'est parti. Voilà, on y retourne. Donc on va être un petit peu plus discret. Avant. Je vais peut-être... Alors, ça m'a... Combinaison. Ah, la combinaison, elle a pris cher. Menu. Ah, c'est bon, on a un kit d'amélioration d'armes. Améliorer. Stabilité. Portée 9 mètres. Passe à 12 mètres. Ok, très bien. Et ça. Ça, je trouve que ça sert à rien. Je crois que va falloir le désassembler. Donc amélioration. Ouais, à mon avis, le mieux pour l'instant, ça va être ça. Donc on va la monter dans neutraliser, stabilité, peut-être portée. Non, dégâts. Voilà. J'en ai plus d'autres. En plus, ça me fait de la place. Voyez voir. Genre, tu sais pas faire ça comme ça. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, elle était où la bestiole, le fantôme exactement? Une grande partie de la technologie à bord de cette station est conçue ici. Équipement scientifique, pièce sur mesure, prototype. Nous devrions pouvoir réparer votre terminal miroir à l'atelier du docteur Calvino. Donc, si je peux l'esquiver, je vais essayer de l'esquiver. Sinon, bah tant pis, on essaiera de le tuer tout simplement. Je vais passer par là vite fait. Voyez, c'est pas un corps. Donc cherchons un truc pour le tuer facilement. Wow. Raccord électrique. Ok, ok. Bah. On va faire juste électrocuter la gueule, mais bon, c'est rien. En plus, il me reste 40 PV. Ah, pec. C'est fait électrocuter, tant mieux.
Voilà, j'ai plus de place. Inventaire. Non, pas transférer, je veux le manger. Manger. Voilà, impec. Donc faisons un tour par ici. Ça, on a compris. Voilà. Le truc, voilà. Câble. C'est quoi ça? Alors. Le chargeur. Ah, très bien. Ouais, ça désintègre quoi. Ok, bah je sais pas comment récupérer ceci. Non. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Ok. J'arrive bien à réparer, mais j'ai pas le niveau pour. Calvino a probablement une carte d'accès sur lui. Vous trouverez le docteur, ou ce qu'il en reste, grâce à la liste du personnel. Toujours bon à prendre ça. Ok, ouais, mais c'est peut-être pas là qu'il faut que je vais pour l'instant. On va retourner sur le pas. Et on doit trouver la carte d'accès pour entrer ici. Voilà. Ok, la chaise elle a disparu. Pour descendre. Puis on dépasse le curseur. Voilà. Ah, le stress ça bestiole derrière moi. C'est quoi ça? Téléchargement de la zone. Ok, très bien, nous avons la carte ici. Et j'ai fait ce qu'il fallait, ouais, je crois. Donc c'est où mission? Objectif, voilà. Trouver. Le laboratoire technique. Ah, mais elle me casse les couilles cette bestiole là. Nous c'est le laboratoire technique qui nous intéresse, donc c'est fait. Bon, y aller. Ici. Et donc aller. Allez, plus beau quoi, faut descendre. C'est quand on va avoir des armes intéressantes là, parce que bon. Oh
Oh non, 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 non. Nickel, il est mort, ça en prend. Alors, il faudrait que j'arrive à descendre. Ah, non, non, je peux passer par là, je peux passer par là. Voilà. R2. Donc, comment je vais faire pour descendre? Carte. Salle de présentation. Atelier. Je vais quand même visiter ici vite fait. Chaque sas est doté d'un verrou manuel qu'il faut désarmer avant de pouvoir sortir. Ce système conçu par mesure de sécurité n'a plus aucune utilité lorsque l'ennemi est déjà dans la station. Si vous sortez, n'allez pas trop loin, car les typhoons pourraient déjà avoir atteint l'extérieur. Et n'oubliez pas, les autres sas que vous croiserez devront avoir été au préalable déverrouillés de l'intérieur. Une dernière chose, votre combinaison n'est pas encore équipée d'un propulseur. Vous en aurez besoin pour vous déplacer. Là, on commence à avoir l'habitude, ça explose au bout d'un moment. Ok, il faut que j'arrive à rentrer là-dedans. Plein de matos. Voilà, on passe au-dessus, nickel. Ah ouais, mais forceur physique 3. J'ai pas encore la compétence, je pense. T'es vu toi? What, what, what? Ok, c'est radioactif ça. On n'y va pas. On refait demi-tour. Ici. Voilà. Nickel. Il est mort. Par contre, si tu pouvais juste passer là. Bouger les autres caisses aussi. Voilà, donc, enfin j'ai trouvé pour descendre. Nickel. Non, c'est qu'une tasse, on s'en fout de la tasse. Ouais, je l'ai vu. Ça va. J'ai encore la lumière. Avec le câble, on va prendre ce qu'il a. Il y en a encore ici, on va le prendre. Donc c'est quoi ça? Pièce détachée, on prend. Et 9 mm. Dire que c'est pas une priorité, j'en ai déjà un. Quand il va falloir vite trouver le moyen d'agrandir son inventaire. Voilà. J'ai pas une grenade chargée. Ouais. J'avais déjà tant mieux. Ça l'a désingué. Là, il y en a encore un petit bout là. On prend tout, on laisse rien. Là, il y a encore du câble.
D'accord, ici. Ok, très bien. Maintenant, faut retrouver le poste de sécurité. Ah, bec, on a retrouvé la carte, en fait, c'était très très bien. Nous pouvons avancer, j'ai envie de dire. Déverrouillage. Aucune carte d'accès correspond. Ah bon? Attendez, je suis paumé là. De quoi qu'une carte d'accès correspond? Alors, c'est quoi ça? Faculté. Calvin, ok. Trouver le docteur Calvin. Ok. Et ça, c'est complet. Ok, maintenant, faut que je retourne au poste de sécurité. Faut que je cherche le docteur Calvin. Donc, Calvin, Calvin. Passerelle. C'est bien ça, c'est bien le docteur Calvin qu'il faut que je cherche. Docteur Calvin. Voilà. La caisse de sécurité. Donc, stockage. Spécialement, je ne vois pas de Calvin. Non, je ne trouve pas de Calvin, donc. J'ai envie de te dire qu'on va chercher la main, c'est pas lui par exemple. Non, c'est pas lui. On va repasser par là. Je vais enlever ça parce que ça casse bien les couilles, voilà. C'est un peu plus simple à passer. La petite glissade du plaisir. Et on continue. Donc faut que je monte à l'étage normalement. Et... Non, ça marche pas. Pas du... comment on va bien pouvoir faire pour monter à l'étage? Ok, là il y a une passerelle. Ok. Comment on va bien pouvoir... J'en ai aucune idée. Pose de ça. Force physique. J'ai l'impression de tourner en rond. Donc je vous dis ellipse jusqu'au temps que j'ai trouvé la solution. Donc re tout le monde, après 5 minutes de recherche, j'ai enfin trouvé. C'est tout simplement ceci qui nous permet de monter à l'étage et donc d'accéder au reste de la mission, tout simplement. Parce que on va dire que ce n'était pas évident. Donc là en fait, nous on était bloqué au premier étage, donc ici. Et là, on se retrouve ici. Donc ça devrait aller mieux. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un médecin. Je vais y aller faire un tour tout de suite. On va chercher encore cette place. Qu'est-ce que je peux bien acheter? Non, je ne peux pas le mettre là. Je vais les consommer.
Ok, ça répare les armures. Je ne savais pas. Soigne la peur. Voilà, nickel. Donc là, il y a une trappe. Je vais aller vérifier tout de suite où elle mène. Donc s'il y a un effet bizarre, c'est normal. C'est parce que je viens de consommer du vin. Et donc, il y a un effet assez bizarre. Je vais éviter d'en consommer. Franchement, c'est super mal aux yeux. Alors. Putain. C'est stressant ces petites araignées là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais alors il est où que je nique sa race? Je t'ai grillé, viens là, viens là. Putain, allez, c'est barré ici. Ouais, bah, reste dans ton truc, hein, tu sais quoi, même. Putain, j'ai cru qu'il était retourné. Nickel. Ouais, franchement, c'est la mort, ces petites bestioles là, tuer. Vraiment pas évident. Toi, tu es rien du tout. Et là, on peut y aller. Il y a une brèche dans cette partie du laboratoire. Aucune atmosphère, aucune gravité. Vous pourrez l'atteindre en passant par le sas extérieur de l'atelier mécanique. Mais d'abord, il faudra installer un système de propulsion sur votre combinaison. Très bien. Ouais, t'as juste tapé dessus. Pourquoi s'emmerder? On va les faire un tour. Ah, ouais. Donc là, faut que j'accède et je suis mort. Comme un bleu. Donc faut que 1, 2, 3. Faut que j'accède à. Au système de propulsion pour aller dehors, et donc je pense que la virée de l'espace se fera dans le prochain épisode. Pour l'instant, je vais finir cette mission là, et je pense que ça sera déjà pas mal. Je pense même qu'il va être un peu plus long que d'habitude. Le chacun recommence à faire des siennes. Aucune atmosphère, aucune gravité. Vous pourrez l'atteindre en passant par le sas extérieur de l'atelier mécanique. Mais d'abord, il faudra installer un système de propulsion sur votre combinaison. Très bien. Oh ouais, je l'avais pas vu le gros. What? What? Je suis mort. Je suis mort. R2, voilà. J'ai pas un truc super efficace là. Je sais pas si ça va être efficace. Non. Ah, j'ai jeté les deux en plus. Ah, c'est une blague, je me suis bourré de boutons. Reste coincé là. Je vais dire que c'est moi, ça me va. Par contre, le gros, ça va être une autre paire de manches. Ça me fait chaud aussi. Quel trop courrier. Non! Putain, j'avais pas vu la bonbonne qui pouvait exploser juste à côté de lui. Bon, dernier essai, et sinon on s'arrêtera là.
Non. laboratoire. Aucune atmosphère, aucune gravité. Vous pourrez l'atteindre en passant par le sas extérieur de l'atelier mécanique. Mais d'abord, il faudra installer un système de propulsion sur votre combinaison. Très bien. Donc, je disais, j'irai le faire plutôt dans le prochain épisode. Allez, tuer cette bestiole vite fait. Et là, je vais plutôt me contenter d'aller chercher le propulseur et on se laissera là-dessus. Ok. Donc là, il y a le tuyau, ils emmènent où le tuyau? Ok, ils emmènent nulle part. On va y aller comme ceci, voilà. Donc là il y a un corps, ce serait bien d'essayer de le récupérer, je pense. Et je pense qu'il faut aller ici. T'es grillé, toi. Un kit d'amélioration. Ok. Je vais prendre le kit d'amélioration. Ok, le numéro. Voilà. Dévoré. Donc on va prendre le kit d'amélioration, mais c'est pas suffisant. Transférer ça. Le temps d'utiliser le kit d'amélioration. Voilà. Non. Menu. Ah, je peux pas l'utiliser pour l'instant. Très bien. Oh, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça sert à rien, quoi. C'est pas là qu'il faut que je vais. Par contre, ça, je la prends. Faut que je les fasse. Voilà. Comment je fais pour attirer la passerelle ici, moi? Sérieusement. C'est pas un signe de commande, ça aussi. D'avoir le code. Donc j'ai envie de dire que bah, je suis bloqué. Donc on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vais essayer de chercher bah, la solution entre deux épisodes. Et moi je vous... Non, avant. Surtout, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter la vidéo si elle t'a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!